et tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce thé. Il s'agit d'un baimudan qui a été compressé en galette et qui vient du Fujian, plus précisément du village Guanyang. Tout d'abord, je vais vous apporter quelques faits géographiques, culturels et aussi historiques sur ce thé, ou du moins sur cette région. Alors, quand on parle de thé blanc Fujing, de Fujing, on parle en fait de plusieurs sortes de thé blanc. Beaucoup connaissent les aiguilles d'argent. Ensuite, il y a aussi le Baimudan, il y a aussi le Gongmei et le Shomei. Ici, dans le cas de la vidéo, il s'agit d'un Baimudan. Alors, Fujing, on y produit du thé parce que les conditions climatiques y sont très favorables à la culture du théier. La température moyenne annuelle est d'environ 18,5 degrés et les précipitations annuelles sont d'environ 1670 mm. Donc il fait à la fois chaud toute l'année, ou du moins tempéré parfois, enfin à des moments dans l'année, et il y a de l'humidité, il y a de l'eau pour les théiers. Le thé blanc à Fujing, on a commencé à en produire à peu près au 7e siècle. Donc ça fait déjà très longtemps. Et il y a des traces écrites notamment dans le classique du thé, rédigé par Lu Yu sous la dynastie des Tang. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler des différentes étapes de traitement des feuilles. Tout commence par la récolte. Pour ce thé-là, il s'agit d'une récolte d'été. Donc été, on est en juillet, août, et il s'agit d'un assemblage de deux grades. Il y a un bourgeon, une feuille, et un bourgeon, deux feuilles. Quand on dit un bourgeon, une feuille, un bourgeon, deux feuilles, il s'agit d'un bourgeon suivi de la première feuille et ou de la deuxième feuille. Donc on coupe la branche à tel ou tel niveau suivant le grade qu'on veut obtenir. Ce n'est pas un thé de premier grade, mais il fait, assez simplement, il fait le travail. Il est vraiment bon, c'est un thé qui a du goût, assez original aussi, parce que des thés blancs compressés, on en voit assez rarement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Après les récoltes, il y a le flétrissage. Les feuilles sont exposées, donc les feuilles et les bourgeons après cueillette sont exposés à l'air libre, en intérieur ou en extérieur, suivant les conditions climatiques du moment. Et en été, comme on est dans le sud de la Chine, on est proche du tropique du Cancer, il fait assez chaud. Et donc les feuilles peuvent, s'il ne pleut pas, rester à l'extérieur avec des températures aux alentours de 25-35 degrés. Ce flétrissage permet une première évacuation de l'eau contenue dans les feuilles. Ce flétrissage, suivant les conditions climatiques et l'endroit où il se trouve, peut durer 40 à 60 heures si les feuilles se trouvent à l'extérieur, ou entre 16 et 24 heures si les feuilles se trouvent en intérieur avec un apport de température, une sorte de chauffage, voilà, climatisation, chauffage, qui va aider à l'évacuation de l'eau contenue dans les feuilles. À la fin de cette étape, on veut que les feuilles contiennent entre 18 et 25% d'eau. Ensuite arrive le moment du tri, du criblage, du nettoyage. Donc on va trier les feuilles et les bourgeons par grade, les bourgeons simples dans un tas, les bourgeons plus une feuille, voilà, un autre tas. C'est très imagé, hein, voilà. On classe bourgeons seuls, bourgeons plus une feuille, bourgeons plus deux feuilles, et autre grade s'il y a. Je vous ai dit que pour ce thé-là, c'est un bourgeon, une feuille, et un bourgeon, deux feuilles.
Et on profite de ce criblage, nettoyage, tri, pour enlever les morceaux de tissu, des plumes, peut-être des cailloux qui se seraient glissés dans les paniers lors de la cueillette. Après ce tri, on va procéder à un séchage ou une sorte de cuisson peut-être dans un four. Donc, ce n'est pas bien sûr le four qu'on a tous dans sa cuisine, ce sont des fours faits exprès pour le séchage, la cuisson des feuilles. Donc on va prendre les feuilles et on va les mettre dans ces fours. Les feuilles ont déjà bien séché, elles se sont assouplies et on va les mettre dans un four à une température donnée aux alentours de 80-100 degrés pour continuer à leur faire perdre de l'eau. Et là, on veut vraiment que les feuilles perdent un maximum d'eau, qu'elles sèchent un maximum. Ce séchage dure une vingtaine de minutes. Et après, on fait refroidir les feuilles. On enlève les feuilles du four et on les met à l'air libre. Où là, voilà, elles sont en contact avec l'air ambiant et elles continuent à perdre un peu d'eau. À la fin de ce processus, on essaye d'avoir des feuilles qui ne contiennent pratiquement plus d'eau. Et comme il n'y a pas eu l'étape de fixation, le fameux chatting, le thé continue à évoluer, car on n'a pas arrêté les transformations qui permettent l'oxydation des feuilles. Et enfin, dernière étape pour ce thé, c'est la compression. Les feuilles sortent du four, elles ont refroidi et elles ont perdu de l'eau. Elles ont perdu une grande, grande partie de leur eau. Elles sont sèches. Mais pour la compression, il faut les réhumidifier. Donc souvent, ça se fait à la vapeur. On va passer les feuilles dans un courant de vapeur chaude pour qu'elles se ramollissent. On va les envelopper dans du tissu et on va les compresser. Il y a la presse artisanale, donc qui peut se faire comme pour les pouvoirs avec un bloc de pierre qu'on va poser, un bloc de pierre taillé en cercle qu'on va poser sur les galettes pour voilà, les compresser, ou alors à la machine. Enfin, voilà, c'est au bon vouloir du producteur. Et après, on obtient une galette comme celle-ci. Et celle-ci est de 2018, septembre 2018. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare ce thé. Alors j'ai décidé de le faire en gaiwan, mais vous pouvez très bien le faire en théière ou alors dans une machine à thé si vous êtes adepte des machines. Et moi j'aime bien le gaiwan, en plus il est assez large, donc il va permettre aux feuilles là qui sont compressées de se séparer et de s'étaler. Donc d'abord je vais mettre à température et rincer les instruments. Où il y a bien entendu différentes sortes de gaiwan. Ça, c'est un gaiwan qui a été fait par. Enfin, c'est un service carrément, hein, la verseuse et la tasse aussi, fait par Manon Clouzot, une céramiste française qui a Auxerre-sur-Drône. Et bon, on est plusieurs amateurs de thé, enfin, même de plus en plus, à avoir des pièces qui viennent d'elle parce que c'est fin, c'est joli et c'est pratique. Et donc là, l'eau est aux alentours de 90 degrés. Je l'ai fait bouillir tout à l'heure
Donc je l'ai laissé un peu refroidir en ouvrant le couvercle. Et là, elle est aux alentours, oui, de 80, 85, 90 degrés, plus proche de 90. Et je vais verser l'eau directement sur les feuilles. Comme elles sont compressées, être en contact directement avec l'eau, ça va favoriser leur séparation. Et là, je vais attendre un peu que les feuilles se réhydratent et commencent à se séparer. Voilà, donc là, ça fait à peu près 30 secondes que les feuilles sont dedans. Ça a permis qu'elles commencent à se détacher. Et j'ai ma première infusion. Bon, c'est la première infusion. On a déjà des notes de fruits jaunes, mais assez délicates, parce que bon, les feuilles commencent à s'éveiller et à s'ouvrir. Mais vraiment au sens de s'ouvrir déjà, comme je vous disais, à se séparer, mais comme une personne. On commence à la connaître et petit à petit, elle va s'ouvrir. Généralement, on dit que pour les thés chinois, la troisième, quatrième infusion, c'est là où le thé se révèle. Donc là, j'en suis à la première infusion et c'est déjà vraiment pas mal. On a ces notes de fruits jaunes, légèrement un peu confituré. On peut voir un abricot un peu confituré et un retour sucré très 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 appréciable. Là, j'ai la salive qui sort toute seule, pas parce que j'ai envie de sucrer ou quoi que ce soit, c'est vraiment le thé. Après la gorgée, j'ai encore un peu le goût d'ailleurs. Et ouais, c'est comme je vous disais pendant la vidéo, c'est pas un thé de premier grade, de top, top, top. Mais c'est un thé qui fait vraiment le travail. Je veux me faire plaisir avec un thé blanc, sans me prendre trop la tête, je prends celui-ci. Donc voilà pour le thé blanc, le Baimudan de Guanyang, dans le Fujian. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.